à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance pour ce week-end du 8 et du 9 juin. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, je vous ai mis le petit chat noir avec ses petits yeux bleus. En deuxième, je vous ai remis le chapeau de sorcière, ça faisait un petit moment. Et en troisième choix, je vous ai mis la clé. Voilà. Euh, pour les jeux qu'on va utiliser, j'avais trop envie d'utiliser euh, les pils euh, en runes de ma belle Cricri, l'Oracle Euro, le message du Valhalla de Raziel et Gaïa, j'ai pris le Purple Explosion d'Onyx que j'aime beaucoup aussi, euh, l'Oracle du Manoir des élébors. Noir de ma belle Iris. J'avais envie de tester l'oracle Garance de Géraldine Garance, l'oracle Solène de ma belle Virginie Lévesque, et pour finir, j'ai pris mes petits chibis, c'est eux qui m'appelaient. Voilà. Donc, je n'ai pas pris de tarot parce que je crois que j'ai déjà pris pas mal euh, d'oracles et j'avais trop envie d'utiliser euh, bah, ceux -là. Comme d'hab, on enlève les horoscopes, enfin les signes d'astro plutôt. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveaux jeux. Euh, de nouveaux jeux astro j'allais dire mais tout va bien de nouveaux jeux de guidance et ça c'est trop chouette du coup ça permet de changer celui là je vous l'ai présenté je l'aime beaucoup aussi il est super beau avec ses 59 cartes il y en a une qui veut rester dans la boîte voilà et j'adore ce dos il est trop beau l'oracle solène le garance je trouve il est chouette aussi pour les guidances lui je sais pas comment je vais les mettre par contre. On oui, va essayer de les pousser un peu sur les côtés. Là, j'ai des trucs aussi. Voilà, je vais pousser tout. Alors, celui-ci. Ah, la carte numérotée, celle-là, on ne l'a pas besoin. Hum, celui-ci aussi j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, j'ai ai recommandé. Euh, deux, deux, oui, deux chez euh, Onyx. La carte, par contre, si on n'a pas, besoin, parce que je les trouve trop beaux et ils sont en édition euh, limitée, donc j'ai repris celui avec les animaux, celui sur l'Égypte, et euh, il m'a offert euh, pour vous présenter, du coup, euh, celui euh, le Kingdom. Voilà. Ah, hein, le pochon ne veut pas s'ouvrir. J'ai fait des bêtises. Ouais, voilà. Ça y est, on est beau. On va juste laisser la petite carte de présentation. Et pour finir, mon petit euro. J'ai hésité à le prendre, figurez-vous. Puis, je me suis dit, allez, lui, il est là tout le temps, à chaque heure. On va pas le laisser de côté. Zou Alors, bon, on va commencer tout de suite. Je vais mettre ça ici. D'abord, avec les piles. J'adore cette boîte, vraiment. J'adore cette boîte. Ah, j'ai mis la mise au point. Je vais enlever ça tout de suite. Où est-ce que c'est, ça, pour l'enlever voilà, parce que sinon il va faire que des bêtises. La mise au point automatique, ça n'a pas que du bon. Quand on ne bouge pas trop, ça va. Bon, du coup, euh, ceux qui connaissent les runes, vous voyez directement, euh, moi euh, en voyant ça, je ne sais ni le nom ni sa signification. Je ne suis pas très calée en runes, je vous avoue, il faudrait que je travaille là-dessus. Hop, voilà. Alors, on va maintenant commencer avec l'euro. Enfin, je suis contente parce que, avec tous ces oracles maintenant, franchement, on est plein. Entre Cricri qui en fait tout plein, euh, Onyx qui en a fait cinq d'un coup. Euh, franchement, on est servi pour le moment. Plus tous les petits nouveaux. Alors. Bon, ben j'espère qu'on aura des bonnes énergies. J'espère que tout le monde va bien aussi. Ici, on a enfin du soleil, mais il ne fait quand même pas très chaud, je vais vous dire. Euh, on a quoi 19 degrés grand max, semaine prochaine, 16. Mais on a le soleil, donc c'est déjà bien. On va pas se plaindre. Je vais ouf, faire comme ça. Voilà. Alors, qui va suivre Je pense les chibi. Mes petits chibi. Hop. Zou. zou, Et cette fois-ci, Garfield est parti gambader. Il est totalement guéri, donc normalement, on devrait plus l'entendre miauler euh, dans la vidéo. Alors, le valala que j'aime toujours autant. Ah ben. Il a voulu venir tout seul. Ah, bah, décidément. Lui aussi, il a voulu venir tout seul. Il est bavard aujourd'hui. Oh, qu'est-ce que j'ai fait Oh, bah, tiens. Bon, on va la prendre, vu que celle-là, je suis pas, elle s'est carrément retournée. C'est peut-être un signe. Alors, on va prendre le Purple Explosion. J'adore le format de ces cartes aussi. Vraiment un chouette format. Par contre, ça glisse super bien. Imprimé en France. Hop, je fais une tour à côté de moi. On va prendre le garance. Est-ce que j'ai du bon côté Oui. Oups, ça y est, je commence déjà à faire des bêtises. Maintenant, le soleil. Et on finira avec le manoir des bords noirs. Celle-là et une ici. Voilà. J'adore le dos de ce jeu une de ses piles et lui du coup voilà et une ici voilà bon ça y est on a tout on est bon je vais juste mettre celui-ci de côté on va mettre un d'or et on va commencer tout de suite avec ceux qui ont choisi le petit chat. Avec la rune ici qui est euh, tourizaz. Protection, défense et lutte. On va voir ce que ça va nous dire dans le paquet. Du coup, il y avait l'homme qui était... Enfin, qui avait sauté. Et ici, on a ah, le mégaphone. Euh, bah, du coup, ici, avec la... soit... Euh, ça pourrait faire penser avec défense et lutte, ça pourrait faire penser euh, que vous allez peut-être devoir élever la voix par rapport à un homme. Euh, peut-être qu'il y a une, euh... enfin vous allez peut-être vous faire savoir euh, ce que vous voulez à, à cette personne. Peut-être que vous n'êtes pas content, que vous n'êtes pas d'accord avec lui ou des choses comme ça. En tout cas, vous allez vous exprimer haut et fort, je pense. Bon, on va voir ce que nous disent les jeux de cartes. Ah, ici, on a la rapidité. Euh, du coup, c'est peut-être quelque chose qui va arriver assez rapidement. Euh, peut-être que vous n'allez pas le voir venir hein, et que d'un coup, euh, ce sera la goutte d'eau euh, qui va faire déborder le vase et vous allez euh, peut-être un petit peu euh, hausser le ton. Voilà, peut-être faire savoir euh, ce que vous ne voulez plus. C'est un peu l'idée de la manifestation ici. Hein. Et avec défense et lutte, bah, peut-être que vous allez euh, vous sentir, entre guillemets, menacé euh, par un homme, euh, parce qu'il vous dit, peut-être. Et du coup, euh, bah, peut-être que vous allez être sur la défensive et peut-être devoir élever la voix et faire savoir ce que vous ne voulez plus. Et bah, c'est peut-être un truc qui va arriver assez rapidement. Ici, ah, bah, c'est celle-ci qui a sauté. Ah, bah, avec l'engagement. Euh, du coup, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire hum, Soit ça peut être votre compagnon, du coup. Euh, peut-être qui, ouais, ça pourrait représenter le compagnon ou alors un engagement. Ça pourrait aussi être un engagement. Ça peut aussi être professionnel ou amical ou amoureux. C'est pas ce que euh, amoureux. Euh, peut-être que c'est au niveau d'un d'un engagement. Euh, ça peut être au boulot ou dans autre chose. Et peut-être que, euh, peut-être soit ça va trop vite pour vous et vous allez le faire savoir. Euh, parce que peut-être vous allez euh, laisser parler vos mécanismes de défense, peut-être que ça va trop vite pour vous et que vous n'arrivez pas à suivre, et vous allez peut-être du coup le faire savoir. Euh, ça peut être au niveau du boulot aussi, hein, qu'il y a des choses euh, peut-être qui vont trop vite, vous n'arrivez pas à suivre, et ben, du coup, euh, vous allez peut-être le faire savoir. Ou ça peut aussi avoir avec un contrat de travail, euh, enfin s'engager dans, dans ce domaine-là, en fait. Peut-être vraiment, euh, peut-être un engagement trop rapide aussi. Euh, qui arriverait trop vite et bah, du coup ça vous fait peut-être un peu peur et euh, bah, vous devez euh, exprimer ce que vous voulez ou pas et clairement. Du coup, euh, le purple nous parle d'infidélité. Ah, là c'est tout de suite moins cool. Hein. Euh, ça pourrait représenter du coup euh, forcément avec infidélité, engagement, homme. Euh, et le mégaphone, bah, peut-être que le conjoint pourrait euh, avoir fait une infidélité. Euh, bah, du coup, forcément, ça met à mal l'engagement. Et euh, bah, c'est peut-être ça euh, qu'il va y avoir des tensions euh, et peut-être des cris. Euh, comme si, comme, euh, on, en plus, on avait la lutte là. Voilà, donc ça, c'est un peu moins cool. Et si c'est au niveau du boulot, euh, ça peut être un. Un collègue je ne trouvais plus le mot euh, qui vous a peut-être fait un sale coup également euh, par rapport euh, peut-être il avait pris un engagement vis-à-vis -vis de vous et il a peut-être euh, bah, pas tenu son engagement ça peut être amical aussi un ami qui qui vous avait promis quelque chose et qui n'a pas tenu son engagement et ben bah, du coup forcément ça provoque des brouilles alors le garant ça nous parle de nature bah ici ce serait peut-être le conseil euh, d'aller vous ressourcer euh, un petit peu en nature euh, profiter de la nature, bien s'ancrer pour peut-être justement euh, bah, essayer de vous vider la tête et essayer euh, de vous reposer l'esprit par rapport à tout ça donc lui il vous conseille peut-être d'aller faire une escapade en nature ici on nous parle de remède, c'est marrant ça va bien avec le reste, donc peut-être que le remède euh, du moins peut-être pas le remède à la situation mais le remède pour vous sentir mieux ce serait euh, d'aller faire une balade en nature, euh, de vous ressourcer de faire des... Peut-être des exercices d'ancrage, etc. Voilà, pour vous vider la tête, sont belles toutes. Et ici, on a la salle à manger avec intégration et partage. Euh, bah, du coup, peut-être, euh, peut-être faire ça avec euh, avec des gens que vous aimez, des proches, des amis. Euh, allez vous vider la tête dans la nature, allez profiter un week-end euh, en forêt, par exemple, ou à la campagne, ou et peut-être ne pas faire ça seul. Commission de la salle à manger. C'est un peu l'idée de là où on se réunit pour partager, pour manger. Euh, donc, peut-être faire un, une petite escapade, mais accompagnée. Voilà. Donc, ça, c'est pour ceux qui ont choisi le chat noir. On va passer à ceux qui ont choisi le chapeau magique. Que je vais quand même vous la montrer. Hein. Avec nos 10 épreuves, besoins et nécessités. Hop. Et ici, elle avait, il y en avait plusieurs qui avaient sauté. Je ne sais plus lesquelles. Ah oui, il y avait chakra, il y avait le Valhalla qui avait sauté et la mer. Bon, ici, clairement, euh, on vous dit euh, que c'est peut-être une, vraiment une nécessité ou un besoin pour vous euh, de faire un travail sur vos chakras. Il y a peut-être des choses bloquées, qui, soit ça fait euh, des émotions qui sont euh, très euh, perturbées, hein, en remous, euh, soit c'est l'inverse, c'est peut-être l'idée euh, d'aller se mettre un peu euh, au frais. Euh, Prendre un, des petits moments pour vous euh, et de faire un travail au niveau du chakra. Il euh, y a peut-être vraiment des choses qui bloquent. Et ça peut être des émotions, du coup, euh, qui sont brassées euh, par tous ces blocages. Mm -hmm. Les chibis nous parlent d'objectifs et de buts. Euh, soit. Euh, on vous dirait peut-être ici de rester focalisé sur vos objectifs, peut-être de ne pas trop vous éloigner de vos objectifs ou alors d'établir une liste d'objectifs de choses que vous voulez faire. Mais en tout cas, il faudra vraiment travailler, c'est déjà deux fois que ça revient dans les tirages, sur les chakras, s'il y a peut-être vraiment des trucs justement qui bloquent, qui vous empêchent peut-être d'avancer dans la vie et de réaliser vos objectifs. Voilà. Alors, notre Valala qui avait sauté, ah oui la bonne nouvelle, c'est vrai que c'était celle-ci qui avait sauté, ça on aime bien les bonnes nouvelles, du coup euh, bah vous, attendez-vous à recevoir une bonne nouvelle ici, euh, bah peut-être par rapport euh, à, des, à vos objectifs et à vos buts que vous êtes fixés, peut-être vous allez avoir des, des bonnes nouvelles ou alors peut-être un travail sur le chakras euh, qui va porter ses fruits et bah, ça forcément ce sera aussi une bonne nouvelle, voilà alors, ici, on a séparation. Euh, du coup, une bonne nouvelle et séparation. Euh, bah, Peut-être que ce sera une bonne nouvelle euh, d'une séparation euh, qui est bénéfique pour vous. Voilà. Euh, Peut-être euh, une, une séparation euh, qu'on voit comme une nécessité. Euh, soit parce que ça a plu avec la personne, soit parce que c'est une personne euh, qui est néfaste pour vous. Mais en tout cas, pour vous, ce sera quelque chose de bénéfique. Euh, vu qu'on a la bonne nouvelle et la nécessité. Donc, je pense que ce sera vraiment euh, quelque chose de bénéfique. Et euh, bah, du coup, euh, c'est peut-être ça qu'il faudra retravailler sur les chakras pour les réaligner euh, par rapport euh, bah, du coup à cette séparation. Et c'est peut-être ça qui provoque aussi un tumulte d'émotions. Voilà. Euh, mais en tout cas, ça reste quand même une épreuve. Mais vous, votre objectif, c'était peut-être de euh, vous séparer de cette personne. Voilà, ça peut être se séparer d'un travail aussi. Euh, ça, euh, ça peut être dans plein de domaines, encore une fois. Hein. Euh, mais en tout cas, pour vous, c'est une bonne nouvelle. Euh, J'ai envie de dire de laisser ça derrière. Alors, le garant, si il nous parle d'abondance, bah clairement, euh, bonne nouvelle et abondance, je pense que cette séparation euh, est vraiment quelque chose de bénéfique pour vous, euh, qui va peut-être vous aider euh, à repartir du bon pied, à, à justement à peut-être remettre vos, vos objectifs à vous euh, sur le devant, peut-être que vous allez plus y réfléchir, euh, peut-être que vous pensiez plus à, à l'autre personne avant, et ici si, peut-être du coup que bah, vous allez pouvoir vous focaliser euh, sur de nouveaux objectifs pour vous. Ici, on a les documents, ça va bien avec la nouvelle, hein. documents. Il y a peut-être des documents, soit qui vont arriver, euh, peut-être pour officialiser euh, cette séparation, pourquoi pas, ou des choses à faire, en tout cas, par rapport à ça. Et euh, bah, pour vous, ce sera clairement une bonne nouvelle et, euh, j'ai envie de dire, presque un nouveau départ avec de nouveaux objectifs. Voilà. Et on va terminer avec celui-ci, jardin d'hiver, développement et progrès. Euh, bah, je pense que ça va avec la suite. Hein. Soit c'est peut-être une séparation qui ne date pas d'aujourd'hui, mais en tout cas, vous, vous continuez votre chemin, vous continuez euh, avec vos objectifs que vous vous êtes fixés, et euh, bah, tout simplement, euh, vous progressez euh, et vous allez de l'avant. Voilà, et en tout cas, vous allez peut-être recevoir une nouvelle par rapport à ça, euh, qui sera une bonne nouvelle. Bon, c'est pas trop mal finalement. Youp, il y en a des cartes. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi la clé avec ceci. Euh, Gérard, changement, récolte et progrès. Ça, c'est tout bon. On va voir ce que nous disent les autres cartes. Euh, l'automne et l'embryon. Euh, bah, du coup, euh, l'automne, ça peut faire penser... Euh, comme je vous dis souvent, au oh, lâcher prise, l'embryon, c'est tout ce qui est nouveaux projets, nouvelles idées, euh, nouvelles choses qu'on met en place. Et en plus, ici, on a récolte et progrès. Euh, donc, j'ai envie de dire euh, soit on vous dit que vous allez mettre en place euh, des nouvelles choses, mais qu'il faudra peut-être attendre euh, euh, d'en tirer les bénéfices euh, qui arriveront en automne, ou alors il faut peut-être euh, lâcher un peu prise par rapport à ces nouvelles choses, euh, parce que ça suit son cours, c'est sur le bon chemin et vous ne savez pas faire euh, plus que ça. Nos chibis. nous parle d'éclaircies. Oh, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus eu celle-ci. Euh, du coup, peut-être que vous sortez euh, d'une période un peu sombre. où vous avez peut-être eu des soucis. Et du coup, peut-être que c'est ça qui a fait que vous mettiez en place de nouvelles choses. Et euh, en tout cas, euh, les éclaircies sont avec vous. Donc après la pluie, vient le beau temps. Je pense que vous êtes sur le bon chemin. Voilà. Il faudra peut-être juste faire preuve de patience. Euh, ça n'arrivera peut-être pas tout de suite, tout de suite. Mais en tout cas, euh, ça progresse. Avec la rune. Alors, le palala. Ah oui, nous parlait d'addiction, c'est juste. Euh, c'est celle-là qui était à l'envers. Euh, bah, du coup, on pourrait dire que vous avez peut-être laissé derrière vous euh, vos addictions. Vous avez peut-être mis de nouveau... Ben, en plus on a le progrès là, addiction, progrès, éclairci. Euh, je pense que peut-être que vous avez réussi euh, à sortir de certaines addictions. Bon, ça peut être plein de choses. Hein. Je vous ai déjà dit, arrêtez de fumer, perdre du poids, arrêtez de dépenser trop, euh, de boire, de ce que vous voulez. Euh, mais peut-être que justement euh, vous avez lâché prise là-dessus, et euh, ben vous avez peut-être mis une nouvelle chose en place pour vous libérer de ces addictions. Et euh, ben, je pense que vous êtes vraiment en train de progresser et... Euh, commencer à voir le bout du tunnel. Voilà, donc vous êtes sur la bonne voie. Ici, avec le purple, on a l'attente. Peut-être que vous avez beaucoup attendu et ça, ça a peut-être mis du temps, euh, vous avez peut-être mis du temps à y arriver, ça a peut-être été un long chemin, mais en tout cas ici, on a vraiment l'éclaircie, le progrès. Donc je pense que même si euh, vous avez dû attendre un bon moment, ben je pense que vous êtes euh, sur la bonne voie en tout cas. C'est déjà bien. Le garance, on parle de tracas euh, c'était peut-être vraiment quelque chose euh, que, qui vous tracassait hein, ces addictions, euh, c'est vrai que c'est pas facile de, de sortir de certaines addictions et peut-être c'était vraiment euh, beaucoup dans le mental, c'est peut-être ça aussi hein, le mental le lâcher prise, Peut-être que vous avez réussi à, à lâcher prise sur le mental justement et à peut-être euh, moins vous rendre malade, moins y penser et vous avez peut-être mis du coup de nouvelles choses en place et c'est peut-être ça qui a fait que euh, vous progressez et que vous êtes sur la bonne voie voilà. Euh, peut-être de ne pas être trop resté dans, dans ce mental et ses soucis. Ou alors, ça peut aussi être les tracas qui ont fait que vous avez développé euh, certaines addictions que vous avez peut-être maintenant euh, presque euh, laissées derrière vous. Ça pourrait également... Euh, Qu'est-ce qu'on avait dit après Celui-ci, le solène qui s'échappe. Ah, l'argent. Du coup, ça pourrait avoir avec des addictions qui avaient à voir avec l'argent. Ça peut être des jeux d'argent, ça peut être dépenser trop d'argent. Euh, L'addiction, ça peut être plein de choses. En tout cas, peut-être des addictions qui vous donnaient des, des soucis euh, d'être à cas au niveau financier. Hein, parce que des fois, il y a des addictions, malheureusement, qui coûtent cher. Et du coup, c'est peut-être ça. Euh, qu'on vous dit que maintenant euh, vous allez euh, vous avez peut-être mis de nouvelles choses en place, peut-être une aide aussi pour vous faire aider pour passer outre. Hein. Et euh, en tout cas, même si l'attente a été longue, je pense que vous allez vers le bon chemin. Et ici, si on a... Euh, la conteste avec ordre et, et équilibre bon ici clairement euh, j'ai l'impression que tout rentre dans l'ordre que vous commencez à trouver un certain équilibre une, un certain euh, bien-être et euh, bah, je pense que vous allez vers le bon chemin en tout cas c'est tout ce qu'on vous souhaite pour ce petit tirage là voilà bah, toutes les cartes collées bien ensemble du coup bah, comme d'habitude n'hésitez hein, pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits retours N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir. Et pour le reste, je vous souhaite déjà un très très bon week-end. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.